Bonjour les amis, comment vous allez? Nous sommes pratiquement à la fin de notre série. Donc ici, nous allons rapidement juste vérifier que tout est bien fonctionnel. D'accord? Donc à la fin de cette série, qu'est-ce que nous allons faire? Bon, peut-être que nous allons commencer, ou soit nous allons reprendre Angula dans son intégralité et peut-être reprendre ou soit commencer le cours de Java pour la certification OCA. Il y en a d'autres qui ont demandé aussi le cours de base de données, etc. Donc on verra très bien. Bon, tous ceux qui ont des propositions, je vous écoute. Et ou soit des inquiétudes, vous avez besoin de quel cours concrètement? Bon, je peux toutefois faire tout ce que vous demandez. Donc c'est par rapport au nombre de personnes qui font la demande. S'il y a plus de personnes pour Java, je vais commencer Java. S'il y a plus de personnes pour Angular, je commence Angular, etc. Donc, je vous écoute. Donc, nous allons rapidement terminer les choses et puis vérifier que tout est bien fonctionnel. Donc, avant tout, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer un nouveau package qu'on va nommer report. D'accord? On va créer un nouveau package qu'on va nommer report. Et là, on va aller chercher notre dépôt, notre report plutôt. Il est où? On va aller dans utilisateur, votre utilisateur, et puis vous cherchez le dossier Jaspersoft. Vous allez ici. Et là, vous avez la liste des rapports que vous avez créés. Voilà, donc c'est le nôtre ça. Donc celui qui est plus important pour nous, c'est point Jasper. Donc je prends point Jasper. Et là, je viens coller là-bas. Voilà. Donc, je pense que c'est bon maintenant. Tout est OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va actualiser et puis imprimer notre état. Voilà. Voilà, notre état est imprimé proprement. Alors, vous voyez que c'est bien. C'est pas compliqué, tout est facile, tout est simple. Donc on est pratiquement à la fin de notre série comme ça. Et donc si vous avez des questions à me poser, si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à me contacter. Je vais mieux vous expliquer les choses. Il n'y a rien de compliqué. Les gens disaient, oh, c'est trop long, c'est compliqué. Vous voyez que voilà, il n'y a rien de compliqué. Donc je suis là. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Donc, restez branchés pour la prochaine série que nous allons commencer. Alors, restez bien, que Dieu vous bénisse.